Ok, bonjour, bonsoir le monde. Je dis à cette vidéo ça, nous pourrons parler de online storage et offline storage. C'est-à-dire que nous pourrons faire différence pour entre online storage et offline storage. Et nous avons profité de tout le monde tout. Et bienvenue dans quoi qui se coûte le décodage téléphone. Là. Ok. Mais ça gagne. En pile fois, vous avez le téléphone ou l'appli de stockage, plein stockage, plein. Ça veut dire que les espaces insuffisants ou bien espace de stockage plein. Finalement, il faut qu'on comprenne comment pour nettoyer stockage téléphone, surtout pour iPhone. Et nous parlons pas les couilles là de online storage. Online storage, nous ouais, informatique est basé sur deux grands tontons, base de grands tontons et mots qui c'est hardware. Et puis software. Ok, là nous dit hardware, software, nous ouais logiciel et puis matériel. Finalement, de pour parler de online storage ou ouais partie logiciel, mais de pour parler de offline storage ou ouais partie matériel. Ok, y a un stockage en ligne, là nous dit online storage qui c'est un stockage en ligne. Ou a besoin internet pour gagner accès avec ça, ou a besoin non seulement internet pour gagner accès avec pour ouais et pour prendre mettre tout en ligne parce que les disposer dans un stockage qui online qui en ligne qui gagne rapport à internet. Mais offline storage les différents, les dépendait yon matériel. Par exemple yon jump li c'est un offline storage. Ou pas besoin internet pour ça son jump pour prendre ça son jump voyer sur un autre périphérique. Ou pas besoin gain internet pour voir ça son ordinateur pour voir sur un jump pour voir sur un téléphone quelconque. Mais lorsque li sur Google Drive, li sur iCloud Drive. Par exemple nous gain WhatsApp, les apps stocker documents pour mon yo tant qu'on leur fait chat backup, les backup yo sous iCloud Drive. Et ben finalement ou pral besoin qu'on y a là internet pour accéder avec ça parce que li en ligne, li pas en ligne. Mais les li en ligne ou pas besoin internet. Par exemple, on ka prend yon job là, m'fouer son machine, retirer ça sur job là, mettre sur machine là. Mais si m'entrer un compte et Google sur une machine, moi j'ai besoin internet pour me faire ça, pour m'accéder avec Google Drive, pour me prendre document sur Google Drive moi pour mettre sur machine là, moi j'ai besoin internet. Moi parce qu'on y a là nous comprendre qui ça online storage et offline storage là bien. Cela veut dire que petite vidéo ça pral main ça online storage et offline storage ou bien main différence qui gagne entre online storage et offline storage. Pour qui ça moi poster vidéo ça, pour qui ça moi faire vidéo ça, c'est parce que gen bagay m pral di là nous pral besoin comprendre online storage et offline storage là bien. C'est ça qui fait moi poster vidéo ça. Moi pas faire vidéo à trop long. Merci, bye bye, ciao ciao, une autre fois dans l'autre vidéo n'a pas rencontré n'a parlé plus sous pourquoi abonner channel ça pas oublier tout faire ça en façon pour rater une dans vidéo qui n'a posté. À la prochaine. Love you so much my followers.